Il existe, de façon normale et physiologique, un amincissement de la matière grise dans le développement, au cours du développement cérébral chez les adolescents. Il a été suggéré que cet amincissement était plus important chez les adolescents avec une forte consommation d'alcool et que c'était l'alcool qui était neurotoxique au cours du développement cérébral. Donc, dans notre étude, nous avons recruté 726 adolescents en Irlande, en Grande-Bretagne, mais également en France et en Allemagne. Et nous avons mesuré leur développement cérébral par IRM à l'âge de 14 et 19 ans. Nous avons également mesuré la fréquence de leur alcoolisation aiguë et répétée à 14, 16 et 19 ans, ainsi que leur profil de personnalité à 14, 16 et 19 ans. Nos analyses montrent une association entre l'amincissement de la matière grise et l'escalade des alcoolisations aiguës, mais ne sont pas en faveur de l'effet neurotoxique de l'alcool et suggèrent même que le développement cérébral pourrait être un facteur contributif de cette escalade des alcoolisations aiguës. Cet effet est particulièrement observé chez les filles, puisque chez les garçons, c'est un autre phénomène, à savoir l'impulsivité, un trait de personnalité, qui est le facteur contributif principal. Alors, il est nécessaire de poursuivre la recherche afin de déterminer les facteurs comportementaux associés à cet amincissement de matière grise cérébrale qui favoriserait l'escalade des alcoolisations aiguës. Il est important de garder à l'esprit que notre étude ne suggère pas que l'alcool est inoffensif pour le cerveau. Il a été démontré à plusieurs reprises chez le rat l'effet neurotoxique direct au niveau cellulaire de l'alcool. Le deuxième message à retenir est que nous ne sommes pas téléguidés par le développement de notre cerveau et que chacun reste responsable de son comportement.